Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver. Un nouveau numéro, face à face. Vous le savez très bien, c'est la deuxième fois que je reçois Laurent Onyemba, avocat, enseignant d'université, chef des travaux. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous avez tous entendu, vous avez tous suivi. Moi-même aussi, je dois le dire, hein, le feu de l'action, le feu de l'actualité m'a plutôt induit, je vais dire en erreur, mais c'est vrai, je suis resté dans le principe. Alors, comme vous le savez, le principe de l'émission, c'est des échanges, on va discuter avec lui. Laurent Onyemba, bonjour. Bonjour Christian Bossemé. Laurent, je suis surpris d'apprendre que le vice-ministre des Finances n'a pas eu accès à son cabinet. J'ai trouvé ça extrêmement grave que les militaires soient intervenus pour interdire à un ministre d'entrer de prendre possession de son bureau. Alors, la question fondamentale que je me suis posée, est-ce que la guerre du FCC Cash continue? Est-ce que le bras de fer, ça continue toujours? La personne que vous avez tant vantée ici l'autre fois avec vous, c'est les Yalagouli qui auraient bénéficié de la quintessence de Monsieur Matata Mponyo. On a comme l'impression que c'est lui qui devient le problème. Merci beaucoup, cher ami. Sans me faire porte-parole de Sélé Yalagouli, j'estime qu'à un moment donné, il faut moraliser la vie politique. D'abord, du point de vue législatif, il y a des arriérés qu'il faut combler. Chaque fois que nous parlons de l'organisation d'un gouvernement, le chef de l'État, après avoir mis sur pied un gouvernement, a l'obligation légale de légiférer dans ce domaine. Légiférer au sens, bien sûr, large, parce qu'en réalité, le chef de l'État doit prendre l'ordonnance qui fixe les modalités de fonctionnement de ce cabinet. Et pas seulement lui, le Premier ministre doit prendre un décret, en fait, pour donner l'ossature de comment fonctionne un cabinet ministériel. Tenez, beaucoup de nos amis qui sont devenus ministres ont des problèmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé. Quand vous avez été chargé d'études dans un ministère, CECAB, conseiller, on sait comment fonctionne. Première précision, le ministre, ok, est le chef du ministère. Le vice-ministre n'a pas de portefeuille. Le vice-ministre n'a pas de cabinet à Il n'y a part. pas de cabinet, on va dire. Ok? Je voulais même vous faire une blague. Un jour, le ministre Tambwe Mamba discutait avec ses amis et on lui a posé la question sur la place du vice-ministre. Alors, il a fait une blague, je suppose, une image suffisamment savante. Il dit, bon, le vice-ministre a la mission de rentrer de venir à la maison chez le ministre, prendre les enfants du ministre, les amener à l'école, venir au cabinet, demander s'il a du travail. S'il n'a pas du travail, il rentre chez lui. C'était comme pour blaguer. Mais en réalité, l'idée qui a derrière cette blague, c'est qu'en fait, le vice-ministre dépend du ministre. Il ne peut être mis en exergue qu'à l'absence du ministre. Et les modalités de fonctionnement sont bien définies. Ce qui se passe, parce que vous avez cité Sélé Yalagouli, Justement, qu'est-ce qui se passe je n'en suis pas le porte-parole, mais j'estime qu'il est de devoir de redevabilité scientifique. Dans une dialectique institutionnelle, il faut que les gens apprennent à dire la vérité. Première chose, le vice-ministre arrive au cabinet ministériel, ok, et il amène 29 personnes. Au-delà d'amener 29 personnes, le vice-ministre veut aller lui-même chez le comptable, ouvrir le coffre-fort du ministère des Finances, ok, et emporte l'argent, il la met dans son bureau et commence à le compter. Le vice-ministre prend le cahier de transmission de PV, il l'amène chez lui et c'est jusqu'à aujourd'hui. Au-delà du fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, que toutes les femmes qui sont dans ce couloir-là s'indignent justement des avances dont elles sont victimes. Ça, c'est des dimensions morales. Mais rien n'est Et prouvé. plus grave, non, attention, j'ai dit ceci, Oui. je ne peux jamais avancer des choses comme ça si je n'en ai pas Parce que suffisamment. vous êtes avocat, J'ai dit Laurent. ceci, Oui. par-delà tout, hein, il y a des choses qui sont dénoncées. Et c'est de l'autorité publique. Parce que vous avez besoin des faits. Oui. Il a pris la parole Dans un conseil des dans ministres. un conseil des ministres. Personne ne l'a contredit, Non, non. Laurent. Pour dire, Oui. OK, devant le chef de l'État, que les ministres des Finances étaient en train de prendre l'argent pour financer les activités du PPRD. Ça s'appelle en droit une dénonciation calomnieuse et des imputations dommageables. Et moi, je me dis, comment vous pouvez devenir ministre? Vous réclamez du cash, le chef d'État donne un programme à votre chef, votre ministre, sur la gratuité de l'enseignement. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de l'argent frais quelque part pour financer cette gratuité.
Nous sommes dans l'obligation d'être en programme avec les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, pour obtenir les 1 milliard en vue de financer effectivement cette gratuité. Et pour ça, cette décision est assortie de conditionnalités. La gestion efficiente de nos finances. Comment nous gérons? Et c'est ça que c'est le temps de faire. Le fait à l'usure à Matata Pognon. Vous voyez, vous, Sélé, qui a tenu le cabinet de Matata de main de maître, ok? Et Sélé est allé à la DGI. Les 9 mois de la gestion de Félix, avec le budget que Kabila a laissé en 2019, de triste mémoire, ok? Sélé a pu, avec les assignations budgétaires, et même tripler ces assignations, régler les cas de la DGI, et même donner de l'argent à la Banque centrale pour tenter de fonctionner, parce qu'en réalité, quand il quitte la DGI, il laisse en fait l'équivalent de taux d'importation de plus de 3 semaines. En termes de liquidité, c'est plus d'un milliard de dollars. Mais il s'est beaucoup abstenu au point qu'il pose la question au vice-ministre. Qu'est-ce que vous voulez? Il peut rentrer dans un cabinet, dans un bureau et vous dire, Bossembe, écoutez, votre tête ne me plaît pas. Vous faites quoi ici? On a une série d'études. Lundi, je ne vais pas te voir. Ça, c'est le vice-ministre aux finances. Mais il n'a pas le droit de le faire. Non, c'est justement ça le problème. Et il amène comme ça 29 personnes en disant, il a écrit au ministre, je savais que vous allez me poser toutes ces questions, oui. Je vous amène le document, la lettre qui prouve qu'il a écrit au ministre pour dire, je vais, à partir de telle date, date certaine, fonder mon cabinet. De tel cabinet, je vais conseiller. Voilà des gens qui ne comprennent pas que ce que c'est le fait. Cette austérité, entre guillemets, c'est uniquement pour répondre aux conditions de la Banque mondiale en vue de financer les projets de son propre patron, entre guillemets, de l'UDPS et notre président qui a fait ce qu'il dit. Mais pourquoi arrêter? Pourquoi sceller les bureaux? Pourquoi empêcher aux gens d'entrer et faire intervenir le militaire? C'est une des informations. Oui. Je ne suis pas un agent du ministère des Finances. Mais j'ai la latitude comme Congolais. Ok. Quand j'ai des gens qui font le travail, j'ai l'obligation morale et même intellectuelle de me renseigner. Justement sur notre travail. Voilà comment j'ai pu obtenir ces informations. D'accord. Quand j'ai appris que le ministre a été interdit de rentrer dans son cabinet, le vice-ministre, j'ai posé la question. Le vice-ministre est parti, ok, au cabinet du ministre, pendant que le ministre est absent, pour réclamer le cachet sec. Celui qui a travaillé dans l'administration connaît la valeur d'un cachet sec. Et parce que la secrétaire du ministre a refusé de donner le cachet sec, il a appelé lui-même le vice-ministre, il a fait venir le général Kasongo, Silvano, vérifiable. C'est lui qui appelle le vice-ministre. C'est lui qui appelle le général. Le général. Et le général dit non, je ne peux pas venir sans me renseigner. Le général appelle le ministre. Le ministre passe le numéro de sa secrétaire. La secrétaire décrit le fait, le général a refusé de venir. En réalité, comme lui a amené un lot de combattants au ministère, ce sont ces combattants qui ont commencé à carrément faire de la destruction méchante. Et la police qui est arrivée n'est pas arrivée sous le coup de l'appel du vice-ministre qui voulait... Parce qu'il a dit, il a présenté la situation autrement, mais la police est venue pour rétablir l'ordre. En appelant M. Kasongo, il pensait à quoi? C'était quoi le plan du vice-gouverneur? Non, mais... Le vice-ministre. Arrêter la secrétaire? Non, mais c'est justement, vous avez posé une question à la base ici. On veut caricaturer les choses en disant c'est un ministre du FCC qui ne veut pas qu'un ministre du cash travaille. Oui, justement. Je rappelle qu'il est des principes, c'est même dans la constitution congolaise, que l'administration publique est apolitique. Que le fait d'appartenir au gouvernement, vous êtes apolitique. Et donc, en étant ministre, vous oubliez votre origine. Et c'est quand même choquant qu'à un moment donné, parce que vous êtes actif dans l'UDPS Mumbele et que l'équivalent de la responsabilité emblématique que le vice-ministre est l'équivalent de celui qui peut poser de tels actes. On a désacralisé la fonction ministérielle, cher Bossembe. Est-ce que dans ce contexte, entre Sélé Yalagouli et Junior Mata, qui est son vice-ministre, lequel travaille dans l'intérêt et de la nation et du programme de chef de l'État. Vrai ou faux que Sélé et Yalagouli financent les activités du PPRD? Écoutez, je vous ai dit au départ que je ne suis pas son porte-parole. Oui, mais pourquoi vous êtes, parce que vous m'avez posé la question. Attendez, vous m'avez posé la question en me disant, vous avez eu à parler de Sélé. C'est comme ça que je vous donne ces éléments. Je suis bien d'accord. Est-ce que vos analyses se sont arrêtées? Je ne suis ni du PPRD. Oui. Je ne serai jamais tenté de l'être. Ok? Le PPRD, pour moi, c'est une machine qui a été mourir. On ne peut pas rentrer dans un bateau qui chavire. Ok? Mais dire aussi que Sélé Yalagouli finance, tu sais, la beauté du droit, c'est dans la preuve.
ça ne suffit pas de faire des allégations comme ça. Parce que si j'étais l'avocat de Sélé, je le conseillerais à Sélé de saisir le cours des tribunaux. Pour pourquoi il le fait? Peut-être parce qu'il a de quoi se reprocher. Non, mais écoutez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vient de la retenue. Ça me gêne de parler des noms, mais je suis obligé pas qu'on me pose des questions. Oui, moi, il vient de la retenue. Et ces choses qui sont décrites aujourd'hui remontent à plus de 6 mois depuis qu'ils ont été dans ce ministère-là. Pourquoi il le dit aujourd'hui? Oui. Non, mais c'est parce qu'il ne veut pas justement qu'on caricature cette problématique. La vérité est complètement ailleurs. Je vous ai toujours dit, même ce mariage, c'était un mariage forcé, c'était un mariage contre nature. La preuve, c'est que quand vous regardez, tous les ministères, à l'origine, Félix Tshisekedi voulait d'un cabinet, bon, en Afrique du Sud, on appelle gouvernement cabinet, voulait d'un cabinet ministériel de 45 ministres. Mais quand on en arrive à 60, c'est parce qu'il y a une sorte de surveillance mutuelle institutionnelle. Il y a un ministre de la Défense qui est du FCC, et il y a un ministre délégué. En fait, on envoie comme un regard du chef de l'État qui vient de l'UDPS dans ses ministères. Et donc, dans l'opérationnalisation, dans le fonctionnement, dans la fonctionnalité institutionnelle, il y a une sorte d'auto-surveillance qui rend la machine institutionnelle suffisamment lourde. Et donc, nous ne sommes pas honnêtement et honnêtes scientifiquement pour dénoncer le fait que aujourd'hui la coalition FCC cache, au travers l'hypocrisie fonctionnelle, l'hypocrisie politique, bloque la respiration traditionnelle de notre pays. Alors, Une intelligence surélevée pour identifier ces problèmes à vue de proposer, non seulement d'identifier les pathologies, mais de proposer des diagnostics et permettre à l'État de décoller. Sinon, c'est catastrophique, mais je vous dis que ce qui se fait aux finances, pas seulement aux finances, ce qui se fait dans plusieurs ministères. Aujourd'hui, il y a un forum sur la décentralisation. J'ai posé la question. Tu sais, le problème en droit, c'est que même les chimistes s'y invitent. Même les maçons se donne le droit de commenter les dispositions constitutionnelles. Au point que tout le monde a dit, quand c'est clair, je ne sais pas qui a dit aux gens qui sont juges de la clarté d'une disposition constitutionnelle alors que nous passons 10 ans pour détenir une thèse sur l'interprétation constitutionnelle. Dites-moi, est-ce que le ministre de la décentralisation a le pouvoir de contacter les provinces? La Constitution prévoit uniquement, c'est dans un domaine bien précis, que n'est-ce peuvent être en contact avec les entités territoriales décentralisées que sont les provinces. Les chefs d'État, la Constitution donne les conditions, et le ministère de l'Intérieur. Et donc, le ministère de la Décentralisation et Réforme institutionnelle n'a pas de couloir de transmission ou de couloir de discussion avec les provinces, l'Assemblée provinciale, sans passer par le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur. Alors, je dois rappeler, et même mettre sous le haut patronage, ce n'est qu'une excuse politique, et ça, c'est inadmissible. Je n'ai qu'une la preuve de la décentralisation, c'est une réforme taillée sur mesure qui n'obéit à aucun principe, ni sociologique, ni anthropologique, très ni juridique. Bien. Alors, Laurent, on avait dit dans cette émission, avec vous, que nous allons décrypter le gouvernement. On va faire une analyse sur le profil des ministres. On avait dit qu'on va le faire. Aujourd'hui, vous parlez du ministre de la décentralisation. Mais avant d'abord de parler du ministre de la décentralisation, je voudrais qu'on revienne sur le ministre des Finances. Parce qu'il s'agit de parler de lui aujourd'hui. Quelles sont les valeurs éthiques de M. Sélé Alagouli? Quelles sont les valeurs de M. Roubaix-Roy? Parce qu'on parle d'abord de ces deux-là. Il y a la décentralisation et puis il y a le ministre des Finances. Moi, les valeurs. Je ne suis pas le juge de l'éthique. Je vais vous décevoir. Je ne suis pas le juge ou le comptable de l'éthique des gens. Si je vous donne ces valeurs éthiques, c'est que je suis dans la subjectivité. Je préfère que nous parlions d'un profil. C'est lui qui a étudié normalement. Mais il y a un profil sans valeurs. Non, sinon, vous aurez des hommes mais valeurs, pas éduqués. Les valeurs, sont universelles. Oui. L'honnêteté, okay, les valeurs morales, les valeurs scientifiques, les valeurs sont universelles. Même au Cambodge, même à Philadelphie, même à Charlotte, même à Djibouti, les valeurs restent des valeurs. Mais à mon avis, parce que vous voulez être dans une approche dialectique, vous voulez une approche comparative. Oui, nous parlons de son vice et de lui-même. Oui, oui. Moi, j'estime que le parcours de Sélé est un parcours, je voulais dire, comment dirais-je, teinté d'assez de clarté. Ses études, son travail comme tel au ministère des Finances, d'abord au BCECO, au ministère des Finances, et puis au ministère de. À la primature et puis à la DGI. Mais sans, sans,
sans résultat. Parce qu'on l'accuse d'avoir été avec Matata. On l'accuse d'avoir... Nous deux, nous avons la même formation. Oui. Nous deux, nous avons la même formation. Vous allez me répondre. Est-ce que, parce que vous dites que nous allons faire une cette interactivité, oui, l'émission le est-ce que le directeur de cabinet est le comptable de la gestion des ministères? Oui, mais le directeur de cabinet, s'il si, bon, il était patron de la DGI. Vous n'avez pas de résultats. On dit qu'il est poulain de Matata Mponyo. C'est lui, Matata Mponyo, qui a voulu le faire. Comme Félix ne voulait pas des Matata. Ça, c'est une politique de la sous-traitance. Je refuse des questions. Lui, on l'a proposé. Je refuse des questions fuitées, de penser qu'un grand garçon qui a une famille, qui a une femme, qui occupe des charges d'État au niveau ministériel, qui soit poulain de quelqu'un. Sinon, sur ce plateau, les gens diraient que Kissam Boussembe est le poulain de Perro Louawa ou Laurent Onyemba est le poulain de je ne sais pas moi de telle personne. Comme on dit, non. On dit que vous êtes le poulain de Azaras Roubéroua. Non, écoutez, Azaras Roubéroua connaît que je suis son ami. Nous avons été amis à un moment donné parce que j'ai estimé qu'il avait des valeurs pour la justice distributive et la défense des personnes vulnérables. Et c'est pour ça que j'ai fondé l'ONG Les Amis d'Azaz Roubéroua pour la défense des personnes vulnérables. Vous le regrettez aujourd'hui? Je le regrette. Vous le regrettez? Je le regrette un peu parce qu'en fait, au même moment que vous êtes un modèle pour les autres, vous devez servir absolument des modèles pour ceux qui croient en vous. Mais si à un niveau où vous vous rappelez que j'étais dans son cabinet, justement, vous vous rappelez que j'étais dans son cabinet. Et j'ai été directeur de sa chaîne. J'ai fait 10 ans. Je vous rappelle encore une fois, je suis associé à Africa TV. Je suppose que les textes n'ont pas évolué. Parce que si les textes évoluent, je vais devoir saisir le tribunal de commerce pour demander que je rentre dans mes droits. Mais quand je suis parti de son cabinet, tu sais, pour une petite chose, on lui a dit que j'aurais dit. Il ne m'a pas entendu. Tu sais, la beauté de la parole, c'est qu'en fait, on a toujours des arguments quand vous avez des éléments. Et moi, je suis un peu tout petit peu déçu parce que l'emblématique Azaras Roubéroua que je voyais, que je supposais être pour moi un modèle dans la gestion de la chose commune et dans la gestion de la justice, n'a plus été le même. Alors là, je le regrette, mais il reste un ami. Jusqu'à peu de compter, il ne m'a pas notifié de la rupture de notre amitié. Très bien. On va terminer ce débat, cet échange. Mais avant de le terminer, qui, selon si ça devait être vous, comment faire pour rétablir l'ordre d'abord au niveau du ministère des Finances? Rétablir les personnes qui ont été interdites d'accès au ministère de Finances, à quel niveau les responsabilités se situent? Non, moi je me dis ceci. Tu sais, je n'aime pas cette focalisation parce que vous avez besoin peut-être pour nous, de nourrir vos téléspectateurs qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Et vous m'avez appelé parce on en a besoin. Que je me suis renseigné suffisamment sur la question. Mais je crois qu'il faut d'abord régler une question de loi. Plutôt des actes réglementaires sur la question, il faut que l'État prenne son ordonnance pour fixer justement l'opérationnalisation des ministères. Parce que, vous voyez le chevauchement de responsabilités. Hier, on avait un ministère de jeunesse, sport et loisirs. Aujourd'hui, on a un ministère de jeunesse et éducation à la citoyenneté. Quand tu vois les ministres poser des actes, tu te poses la question, est-ce qu'on a la même formation? Est-ce que les gens sont préparés pour occuper des charges d'État? Est-ce que le vous devenez ministre fait son travail? Vous, ça aussi, non, mais est-ce qu'il coordonne la chose? Non, mais alors, quand vous posez la question au Premier ministre, vous allez tout de suite aller à ce que j'appelle mariage FCC cash. Oui, mais c'est un mariage qui est divorcé avant même qu'il soit enregistré. Mmh. En quoi? Quand Atuba Tumwana et Luemba ont des problèmes à Bakongo, le vice-premier ministre de l'Intérieur fait un courrier, il envoie un télégramme pour le rappeler, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre s'est fait gronder au FCC. Alors, on lui dit, mais toi tu es là, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes dans un mariage, dans un accouplement, il faut réagir. Non seulement qu'il a dit qu'il n'est pas, il n'a pas réagi, et puis après il vient réagir. Aujourd'hui, on a rappelé deux de nos ambassadeurs, ok, qui sont rentrés. Pourquoi? Et madame le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, rappelle sans en informer le Premier ministre. Demain, vous allez encore voir un courrier dans ce sens. Je vous ai toujours annoncé des choses. À la limite, il faut ce texte, mais aussi à partir du moment où la politique s'investe dans la gestion ministérielle, dans la gestion institutionnelle, dans ce que j'appelle hypocrisie institutionnelle et hypocrisie dans la coalition FCC-CACH, nous n'allons pas avancer. Pour le cas des finances, c'est un cas isolé. Il faut oublier les gens qui voulaient mettre le chapeau sur la tête de Célé, savent que Célé n'est pas intéressé. D'ailleurs, moi, je me dis, dans le contexte actuel, être ministre des Finances, c'est quand même quelque chose de très délicat. Mais il faut à un moment donné, quand vous responsabilisez les gens, vérifier de leur moralité. À des fois, organiser un séminaire pour dire aux vice-ministres. Moi, j'étais conseiller au ministère des Pétentiques. Je me rappelle avoir été un de ceux qui ont géré les conflits entre les ministres Emery Okundji et Omer Egwake, qui
sort comme ça dans un conseil ministériel, soutenu par les gens qui étaient inclus dans la même plateforme, pour dire nous sommes dans un gouvernement d'union nationale, nous devons avoir les membres du cabinet win-win. Et on avait comme ça un dédoublement de cabinet. S'il y a un reportage du ministre qui passe à 20h, à 21h, il a ses agents qui vont à l'INTNC, qui envoient un meeting qu'il a fait à Yolo devant un public connu de 30 personnes. Tous les jours, ce sont ces mêmes gens qui l'acclament, ils dansent avec eux. Page magazine. Et c'est comme ça que fonctionne le pays. Vous voulez des réformes, vous voulez un développement, vous voulez être un Congo émergent à l'horizon 2030, vous voulez être un Congo grand au cœur de l'Afrique et influencer le monde. Il y faut moraliser la vie politique. Il faut trouver de l'intelligence. Il y a des jeunes qui ont étudié. Je vais te donner un exemple bidon ici, en disant, et ose décrire à un ministre. Je dis, je suis Christian Bossembe, je voulais rappeler tel dossier. Il va dire, regarde, j'ai vu plus de 1000 lettres. Ok, j'accuse de réception de votre lettre numéro tel. Deuxième paragraphe, il fait ensuite. Ou bien il dit en effet. C'est comme si les garçons qui ont fait les lettres ne sont plus dans ces pays pour corriger ces choses. Vous avez vu Bruno Tshibala, premier ministre, mais qui est de faute des Français dans des courriers. C'est normal ça? C'est normal. Mais ça prouve à suffisance. Vous voyez dans des ordres d'émission, quelqu'un reprend et son nom, et lui-même avec deux enfants le même nom. Et il met dans l'ordre d'émission. Où est la morale dans la vie politique? Ce pays est un tout, ce pays est un problème. Nous n'allons pas résoudre aujourd'hui. Quand nous parlons de Béni, nous nous trompons. Au moment où les gens ont des questions fondamentales, quand tu ne me poses pas la question sur Béni, quand aujourd'hui on est en train de tuer nos frères, et je vous informe ici sur ce plateau que Béni n'est qu'une excuse, Béni c'est une diversion politique. La question est gérée au niveau international entre les deux pays voisins et les multinationales qui, les autres viennent chercher les minéraux, d'autres encore veulent éloigner la menace pour leur pays. Vous ne savez pas qu'on a été tué les Banyamulenge. Tu sais celui qui tue les Banyamulenge et leurs bêtes. Vous tombez dans ce piège aussi? Non, je ne tombe pas dans ce piège. Je vous informe seulement qu'il y a une guerre qu'on a montée des tribus de l'Est contre les Banyamulenge. C'est en fait une sorte d'excuse vers d'autres pays. Je reviendrai avec l'âge d'État sur cette question. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la question de Banyamulenge. Voilà. Je ne voudrais pas rentrer dedans. Il y a beaucoup de choses dans le Banyamulenge. On va terminer cet échange sur la question. Que dit Vundoye aujourd'hui? Que dit Vundoye quand on pense au droit administratif, au droit du territoire, la territoriale et la décentralisation? Quelle est la ligne de démarcation finalement? Non, mais écoutez, d'abord il y a une question sémantique, une question fonctionnelle, une question scientifique. Nous faisons des réformes dans ces pays pour des réformes. Chacun est dans tout. Nos lois ont des tares. Qui viennent pour être constituants? Qui viennent pour être parlementaires? Ce sont des pharmaciens, des encoro, des boutiquiers, des catacombes qui viennent apprendre ce que ça veut dire la loi. Vous vous rappelez du temps d'Evariste Boshab, les débats Kamitatu, Christophe Lutundula, Takizala, François Mamba. On avait envie d'aller écouter les débats au Parlement. Tu as vu ces garçons qui viennent chercher à mettre le costume? Ça veut dire quoi? Ils passent le temps à discuter sur les émoluments. Où sont des gens? Pourquoi dans la loi électorale on n'impose pas un certain niveau de scientificité? Oui, parce que ceux qui en sont... ceux qui sont scientifiques... Et tu sais les acquis... La désolation... Mais tu sais, non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Kabila a été entouré des... Ndaïwel n'a pas déçu. Chiembe n'a pas déçu. Mbata n'a pas déçu. Toi-même, tu es un intellectuel de haute facture. Il ne faut pas prendre quelques personnes qui vendent leur science au service du ventre pour croire que tout ce qui se fait n'est que pacotis. Regarde, quand vous mettez dans votre constitution que peut devenir candidat président de la République quiconque a un diplôme de graduat ou un document équivalent. Ça signifie que vous avez travaillé dans un hôtel à Bikoro, ok, et qu'on vous décerne un brevet d'avoir travaillé pendant 5 ans, vous devenez candidat président. Est-ce qu'on est capable de comprendre cette situation-là? Et les députés nationaux alors? Est-ce qu'il y a une conditionnalité? Est-ce que dans ces pays, on a fait des réformes? Pas que vous voulez qu'on parle des réformes. On est allé à l'OADA, on en a fait le bilan, on a transformé les entreprises. On en a fait le bilan. Les entreprises sont devenues des chasses gardées de quelques individus, de Faucon, de PPRD ou d'MCC qui placent les leurs pour cotiser l'argent à longueur de journée. Il faut à un moment donné que les gens arrivent à dire la vérité et les Congolais sont prêts pour dire la vérité et l'entendre. Merci beaucoup Laurent. Quand est-ce qu'on parle des Banyamulenge? C'est quand déjà? Je suis disponible, pas que je suis suffisamment documenté, cher ami. Très bien. Alors on va regarder la caméra comme toujours. Vous allez donner un mot, un dernier mot aux Congolais. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans le débat des Banyamulenge, parce que j'en ai vraiment beaucoup d'éléments. Non, je ne dis rien de patriote congolais. Je dis ces mots congolais, que le Congo nous appartient. Qu'il est malheureux de constater que le jour où Félix Tshisekedi s'annonce à Paris, que la salle soit pleine, qu'il y ait mobilisation générale. Le jour où un politicien veut venir à tel endroit,
Pas qu'on a donné 1 dollar à l'aller, 3 dollars au retour, les gens font des millions de places. Mais que les Congolais, nous soyons incapables de nous mobiliser pour défendre notre territoire. Ce qui s'est fait à Beni, à Butembo et ailleurs, ça s'appelle calamité. Ça ne ressemble à nulle part au monde. Pourquoi nous nous taisons? Moi, j'aurais fait ma part. Est-ce que toi qui me suis au Canada, au Cambodge, à Paris et ailleurs, au-delà de rester sur un tablier, insulter les gens, vous avez pris conscience que le pays nous appartient? Les dirigeants ne sont que des mandataires. Le jour où nous allons lever l'option de dire « ça suffit, ça va s'arrêter ». La révolution sud-africaine est partie d'une certaine jeunesse, mineure d'ailleurs. Les Tunisiens l'ont montré. On est parti, on a dit à Compaoré qu'en dehors des schémas constitutionnels, la Constitution te dit que tu es très beau, tu es intelligent. Aujourd'hui, même si tu te restes 10 jours, c'est fini, tu es parti. Regarde le scénario africain. Tu sais, Compaoré est devenu ivoirien. Oui. C'est pour nous dire que nous avons l'obligation de prendre nos responsabilités. Aux dirigeants congolais, au président Félix, vous devez fabriquer des petits Félix. Vous devez fabriquer une autre classe politique. Il faut quitter la tribu, il faut quitter les partis, il faut quitter les combines des amis de Bruxelles, il faut quitter les carcans idéologiques. Quand on est visionnaire chef de l'État, vous devez tracer la ligne. Merci Laurent Onyemba, c'était un grand plaisir. Merci. Mesdames, Mesdames et Messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement, un nouveau numéro face à face. Vous êtes invité, eh bien, si vous pensez que vous pouvez être invité, c'est à bâton rompu, il n'y a pas de questions. On se regarde, on se pose des questions. C'est la seule émission où l'invité peut poser des questions au présentateur et on répond franchement et sans aucun problème. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.